Salut à tous, avant le visionnage de la vidéo, j'aimerais vous parler d'un youtubeur et précisément d'un rappeur. C'est un rappeur qui débute sur YouTube, qui s'appelle GS Califorlife. Et du coup, lui, on va dire, il a énormément de culot. C'est-à-dire qu'il va aller tourner des clips dans des magasins de luxe, dans Louis Vuitton, chez Hugo Boss et tout, il va vraiment oser et tout. Et moi, j'aime vraiment ce côté-là, aventurier. Il est carrément venu nous voir sur Paris pour nous parler de ses projets et tout, et on aimerait vraiment l'aider parce qu'on aime ce qu'il fait. Je vous laisse écouter un peu ses sons. Madre mia, mi amor, ces meufs sont fucked up. Et moi je me drogue fort, l'odeur du Saint-Dol, le goût du rock fort. Amnesia Ace, Amnesia Gold, cannabis cup dans la tête. J'inspire ce qu'il y a dans sa tête, je regarde ce qu'il y a dans son tel. Je suis en elle, mais elle repense à son ex. Donc je vais tout niquer comme la veille, je vais tout niquer cet après. Dans ma tête, je suis dans une partie de GTA qui ne finit jamais. Je suis dans les entrailles des enfers, je regarde des dessins animés à la télé. Y'a mes potes qui s'animent, le quartier se réveille. C'est la queue pour la dope, tout Paris en galère. Ça fonce dans la banlieue pour de l'herbe. Purchase this beat on towerbeats.com. Mon meilleur pote c'est mon funtel. Galère sur galère et solfège. Les grands du quartier disent de la merde. Les petits du quartier veulent me la mettre. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Donnez-lui de la force, je compte sur vous hein. Je compte sur vous Niamangou. Oui, bonjour, messieurs, mesdames. Voyez-vous, je suis un homme cultivé. Je lis des livres. Pas comme vous, bande de Niamangourou. Niamang de la folie ! Moi, je lis. Bon, on arrête cette tonne de conneries. Simplement, aujourd'hui, on va du coup demander aux filles et aux garçons s'ils ont déjà fait un plan à trois ou à plusieurs. Parce que moi, je suis très curieux. Ouais. Parce que d'abord, vous êtes en couple un petit peu. Oui. Ah, ça fait longtemps ou pas ? Oui. Ça fait combien de temps, on va le dire ? Ça fait un an et demi et je me suis mariée il y a 2 semaines. Ok, d'accord, ok. Ah, c'est une question osée. Mais j'aimerais que tu sois honnête. Ouais. Je promets ? Oui. Vraiment ? Oui. Bon. Est-ce que juste dans ta vie jusqu'à présent, tu as déjà eu des plans à trois ou à plusieurs ? C'est ça. Ah, c'est oui, hein ? Oui. Ok, d'accord, ok. C'est avec deux hommes ou avec deux femmes ? Deux hommes, d'accord, ok, d'accord. Plusieurs ? Ouais. Ah, ok. Du coup, dis-moi comment les choses sont passées. Un petit peu. Dis-moi bah, ça s'est passé, écoute. J'étais avec mon ex et... Ouais. Et puis à un moment, c'est parti en couille parce qu'on a fait un action vérité chez elle et tout. Ah, elle m'a proposé, j'ai oui. fait bon, pourquoi pas, et donc du coup voilà. Du coup, c'est avec deux filles ou deux hommes ? Deux filles. Ah, c'est mieux, hein, ouais. 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 Toi, c'est mieux, ouais. Ouais. C'est gênant. Non, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Pas du tout. Pas du tout, pourquoi ? Parce que ça m'intéresse pas. Imagine deux beaux gosses. Imagine genre moi et Brad Pitt, tu veux pas ? Je sais pas. Non, je rigole. Tu veux, hein ? Dis-le ! Non. Ah jamais. Jamais. Ça t'a jamais attiré, ça t'a jamais D'accord, ok, ouais. Non. Imagine qu'il y a deux beaux garçons. Genre il y a moi et Brad Pitt. Moi et genre Will Smith. Tu veux pas? Ah merde, ok. In your life, like a threesome or many people? Oh, no. Never? Never. Plusieurs. Non. Oula, directement non. Pourquoi? Ça te fait peur Non, mais j'ai jamais. Ok, mais imagine qu'il y a deux beaux garçons, imagine. Non. Imagine qu'il y a moi et lui là. C'est pas mon truc. Ah, les robots et les noirs, c'est pas ton truc? Non. Les trucs à plusieurs. Ok, bon, d'accord. Non. C'est vrai, non. Ça ouais. Et toi? Non. Ah, non. Dis la vérité, dis la vérité. Non, en vrai, non. Dis la vérité. Est-ce que dans ta vie jusqu'à présent, ouais. tu as déjà eu des plans à plusieurs ou à trois? Oui, mais pourquoi je dois répondre à ce truc-là? Parce qu'on ouais. dire que nous, on va dire qu'on est des investigateurs 2.0. Non. Jamais? Non. Dis la vérité quand même, hein. Vérité. Ok. Mais est-ce que si l'occasion se présenterait, tu serais tenté? Je sais pas. Ah, dis la vérité. Peut-être. Oui, ok, d'accord. Avec deux garçons ou deux filles plutôt? Deux filles. Pourquoi deux filles? Parce que je préfère. Ok, c'était, on va dire, ton copain et un gars. Ok. Oui. Ok. Comment s'est passé? C'était en soirée? C'était en journée? C'était avec ta copine? C'était comment? En soirée. Ah, ok. Ouais. C'était avec deux filles ou deux garçons? Deux garçons. Deux garçons et une fille du coup. Non, deux garçons, il n'y a que des garçons. Ah, garçon, ouais. D'accord, ok. Un plan 3, un garçon, d'accord, ouais. ok. Tout en soirée, vous avez bien bu, tout ça et tout, bon, c'est voilà. Ça. Tu as déjà eu des plans à 3 ou à plusieurs? Non. Dis-nous la vérité. Tu nous mens là, dis-nous la vérité. Non. Un BG comme toi, t'as quand même des plans à 3 quand même jusqu'à présent. Non, jamais. Non, j'ai jamais fait de plan à 3. Non. Jamais? Jamais, non. Pourquoi ça? Pourquoi? Je sais pas, je me dis, vas-y, je me vois pas partager quelqu'un en fait dans le même lit que moi.
et je me dis en fait ça peut vite finir en plan à deux au final. Non, mais et je sais pas. Imaginons que c'est deux hommes. C'est différent. Ouais, mais ça m'excite pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, très honnêtement, non. Pas du tout, ok. C'est parce que l'occasion ne s'est pas présentée ou c'est parce que t'as c'est pas. Pas présenté, mais même moi je cherche pas vraiment. Ce genre de. Si, imaginons que plus tard, dans une soirée, il y a deux beaux garçons qui proposent un plan 1-3, est-ce que tu serais ok ou quoi? Honnêtement, là, sur le coup, je dirais non, mais après, pourquoi pas, ça dépend des personnes. Non. Ah, jamais? Non. Ok, pourquoi? Parce que c'est. Sans plus, pourquoi? Non, je sais pas. Non. Parce que c'est glauque, tu trouves? C'est pas arrivé, non. Alors, imaginons qu'un jour, il y a un beau garçon qui vient et qui vous dit, genre, un plan 1-3 avec ton copain. Ouais. Est-ce que tu serais tenté? Imaginons. J'en sais rien. Du coup, et toi, du coup, dis-nous un petit peu. C'est compliqué. On sent que oui. Hein. Dis-nous la vérité. Il y a eu Préli. Mais avec deux filles ou du coup Deux filles. D'accord, ok, d'accord. C'était avec ton ex ou la copine actuelle, du coup? La copine actuelle. Ah! D'accord, ok. S'il y a deux beaux gosses. Même s'il y a deux beaux gosses, ils peuvent être gros, moches ou quoi que ce soit, ça m'excite pas. C'est deux hommes, genre, non. Même s'il y a genre lui et moi ensemble, on dit non. Non. Direct. C'est direct. Non, vas-y, d'être honnête. Je suis honnête. Oui, je serais. Moi, elle est honnête, c'est vrai. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, mets un pouce bleu, commentaire, partagez la vidéo. Et tu connais, dites en commentaire si vous avez déjà fait un plan plusieurs ou à trois. Dites-le.